J'espère que le brouillard s'est levé en fait, surtout. Là, on a passé 3 heures hein, à faire tout ça. Ok, il fait beau. Il est temps de trouver notre dernier lapin. Quel cerf? Ne dis pas que j'ai tué tous les lapins de la région. Allez voir par là-bas. Si à la base j'avais mis les collets par là, c'est parce que j'avais vu des lapins quand on avait fait le tour. Et là, on n'en voit plus. Ok, complètement useless. Ok, bon bah on va rentrer vers Milton. On va essayer de trouver des lapins ailleurs. Ou alors on va directement à la ferme, on tue les lapins, on se repose dans la ferme pendant une journée. Et on fait les gants. On peut faire ça. Parce que les lapins, ça doit mettre 6 heures à sécher ou un truc comme ça. Hein. Peut-être 12 heures. Voilà, on a vraiment chopé tous les lapins qu'on pouvait ici. Alors. Voilà par où on était passé hein, la première fois. Le petit morceau de vidéo manquante. C'était ce chemin-là, vous voyez, il n'y avait rien de folichon. On va rester bien sur le côté, sur le bord, parce qu'il y a des loups en contrebas, quelque part, planqués à l'affût. On va juste aller directement aux lapins qui sont derrière la maison. Voilà, là-bas on en voit un de loup, dans la plaine. Deux loups. Trois loups. Un, deux, trois. Vous voyez. Peut pas aller là-bas. Par contre, il a l'air de faire froid. Ok. On est trop haut. On descend. Hop, 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 hop. Ok, on s'est pas blessé. Tout va bien. Par contre, j'ai pas d'endurance. Si on se fait courser maintenant. Oh, on est super crevé. Et oui, c'était la fin de journée. Hein. C'était pas le début. Ok. Bon, ça tombe bien que ce soit la fin de journée. Il suffit qu'on chope un lapin. Et après, on va dormir dans la maison le temps que les peaux sèchent. Ce serait parfait d'un point de vue timing. Encore faudrait-il trouver un satané lapin dans cette région. Le pire, c'est qu'il y en a ici. Mais peut-être qu'à cause de la tempête, on n'en verra pas un seul. Oh, je t'ai quasi eu. T'aurais pu faire le mort, hein. T'abuses. Oh non, mais pas deux fois. Oh là là, le lapin. Il y a un arbre de moi, c'est ça. On va y aller au sujet. Hein. Je suis trop encombré, il faut que je sois assez proche. Du calme, du calme, du calme. On va la voir, mais il faut bien viser, c'est tout. Le problème, c'est quand il se déplace de côté, évidemment, hein, vous ratez complètement. Faudrait c'est l'avoir de face ou de biais. Mais lui, il m'a l'air trop agile celui-là. Je préférerais un autre. Ah oh, dommage, il était pas loin. Ouais, celui-là m'a repéré. On aura jamais. Mais de face comme ça, normalement, c'est assez facile. Ah non, je l'ai là. Ah non, 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 ça c'est dégueulasse. J'ai cliqué dessus comme un taré. Oh, putain, j'ai plus de cailloux. Non, c'est dégueulasse, je l'avais eu. Et en plus, c'était bien marqué lapin, je cliquais et tout. Méchant jeu.
Okay, 3 cailloux pour l'avoir. À la fusée éclairante, vous croyez que je peux l'atteindre? Là-bas, c'est des loups. Hein. Oh, les... J'y ai même pas cru que j'ai pas couru. Méchant lapin. J'arrive à le toucher, mais pas foutu de le ramasser, quoi. Ah, après, je comprends que des gens torturent des petits animaux, hein, parce que quand t'arrives pas à les attraper, ça énerve, hein. Ok, allez, on va l'avoir. On va l'avoir. Une heure de chasse au lapin. Ah. Vous l'avez mérité quand même, hein. Regardez The Long Dark. On va l'avoir. Je veux mes gants. Qu'est-ce que je suis pas obligé de faire? Non mais là-haut, je pourrais pas courir pour ramasser le corps. S'il se met sur un endroit inaccessible comme ça. Voilà. Ok, je te tiens. Ouais, bon, on m'a raté. Hein. Okay, on va laisser qu'elle se calme. Hein? Il va se Non, sérieux. Ah. Alors, on est en train de mourir de fatigue. Ok, prochain tir, on est bon. Hein. Je vais peut-être vous couper toute cette séance de chasse, non? Ah, je vous la laisse, allez. Vous avez signé, c'est pour en chier. Hop, hop. Ok, on va le tenir. Faut pas qu'on soit trop loin, mais là, il est bien. Hein. Le loup va le choper. Il y a un autre lapin là-bas. Le loup va le choper, lui. On va laisser le loup le choper. Voilà. On n'a pas besoin de la viande en vrai. J'ai juste besoin de la peau. Bon, on va faire fuir le loup. Va-t'en, vilain loup. Oh, il veut pas partir, hein. Ok. Ok, à la fin. Oh bah je l'ai tué net. Je sais pas ce que j'ai fait pour le tuer net. Voilà, on prend la carcasse. Par contre j'ai été blessé non. En torse, ok. J'ai une torche à la main, hein. Je m'inquiète pas trop. Il est mort instantanément le loup, hein. Est-ce qu'il fait froid? Non, il fait pas trop froid, on va le dépecer tout de suite. 3,6 kg de viande en plus. On ramasse tout, 1h19. Allez, on recycle. Bon, on aura du boulot, hein. Ok, on n'a pas froid. Il faut vite qu'on rentre dans la ferme. La ferme qui est là-bas. Oh, on est encombré. Ok, on a... On va juste utiliser la lanterne. Ce qui est nul, hein, la lanterne, ça ne nous protège pas des loups, mais au moins on voit où on va. Ok, allez, on a nos pots de lapin. On a tout ce qu'il faut. On va aller dans la cuisine. Les déposer ici. Alors, inventaire. Ça, on va le jeter. Nos pots de lapin. Ah, oui, il faut d'abord recycler le corps. Ok. Ah, faudra vérifier nos vêtements aussi. Même si il a pas marqué vêtements déchirés. J'ai un doute. Nos pots. Alors, hop, on la jette par terre.
On va se décaler un peu. On va en jeter une là. En jeter une là. Et une ici. Hop. Les tripes, les peaux de loup. On va les jeter en un tas ici. Il nous faut des tripes séchées aussi. Hein. Ah, il nous faut des tripes séchées pour la couture. Pour justement les gants. Je vais vérifier quand même avant de dire des bêtises. Deux boyaux séchés, quatre fourrures de lapin. Ouais, ok. Les boyaux vont peut-être mettre plus de temps par contre. Alors, on va allumer le four. Ok, on va se mettre là. Vous voyez comme il recentre l'image. Voilà. Voilà. Alors, allumette en carton. Et un bâton. Ah, voilà, une affaire rondement menée. La chasse au lapin, qu'on a réussi quasiment du premier coup. Donc tout va bien. On voit que McKenzie s'est amélioré. on a passé 2 jours à chasser 4 lapins. Maintenant, il est temps de faire le ragoût. Et le pire, c'est que pendant ces journées-là, la vieille fait des soupes pour nous là-bas. Non. Avant qu'il s'éteigne. On va mettre 2h20 de feu et on va faire cuire le lapin. Et la viande de loup, bien sûr. Voilà, parce que là, dans la ferme, si vous vous trimballez avec la viande crue, avec les 4 loups qui se baladent dans le coin, c'est foutu. Hein. Mais par contre, comme on a niaqué le loup, un coup de hache, j'ai même pas eu le temps de cliquer qu'il en est mort, le machin. Tisane, lapin cru. Voilà, on va pouvoir manger et boire. L'eau, je sais pas où on en est. On va se faire une petite tisane. On doit avoir de l'eau, sinon on n'aurait pas pu faire la tisane. Voilà, 27 minutes de feu. Hop, nourriture. Tout est cuit, tout est cuit. On a 1 litre. La tisane, elle est là. On va manger le lapin. C'est 1 kg pour vraiment pas beaucoup de réserve de calories. Voilà, parfait. Même manger un steak de loup, je pense. Juste pour être vraiment au taquet. Parfait. J'alterne en fait viande de loup, viande d'autre. Mais là, vous voyez, on a que de la viande de loup. Faut même faire attention. A pas choper ces satanés parasites. Alors 4%. 4% le temps juste de cuire les trucs. Hein. Donc si on dort un petit moment. Là il fait nuit. Notre lanterne est bientôt morte aussi. Allez, on va dormir. On va dormir nos 10 heures. Là c'est la grasse mat, hein. On a tout de bien, on fait la grasse matinée pépère. Voilà, on a bien dormi, on boit un coup. On va manger nos steaks de loup. On a chassé à main nue. C'est moi ou il rapporte plus maintenant? À vérifier. Voilà. Et là, on n'est pas du tout encombré, hein. Nos peaux de lapin. 18% de séchage. Ok, bon, on n'y est pas. On va les laisser ici. De toute façon, le craft est à côté. On va juste aller récupérer chez Greymother. Chez Greymother. On
On a plus que les allumettes, une lanterne et puis le fusil, deux fusées éclairantes. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller se balader. C'est vrai qu'elle est bien cette maison, hein. On pourrait se poser. Mais d'ailleurs sous la table il y avait rien. Non. Ça m'embête vu que le but c'est de faire des gants. On peut chasser le loup. Alors, tac tac tac, on va regarder aussi nos vêtements. Alors, 96, 99, 62 les gants. Ah, ça va. Ça va, tout est bien. Tout est au-dessus de 80. Alors, pas de loup à l'horizon. On est super en forme. Ouais, faut attendre que les lapins sèchent. Oh, je te moque. Je te moque de moi, lapin. Ah non, on va pas chasser le lapin, c'est fini, fini, jamais plus. On laisse tous les lapins vivre maintenant. Quatre fourrures, 2-2, vous voyez, c'est même pas énorme, 50 contre l'humidité, 5 de protection. C'est-à-dire que c'est mieux que la protection des gants... Ah si, il nous faut un lapin. Vous savez pourquoi? Parce que pour réparer... Pour réparer les gants de lapin quand on les aura, il nous faudra des peaux de lapin. Justement. Ça fait partie du matériel de réparation. Donc il faut qu'on en ait au moins une ou deux peaux en rab. Mais on n'est pas obligé de la faire sécher tout de suite. Aucune autre arme dans l'inventaire. Hein, tu te moques de moi, j'ai pas de cailloux. J'ai plus de cailloux. Ah, des cailloux. C'est que je veux trop ça. Rien sert. C'est pas un loup. Bon, des cailloux. On peut pas chasser le lapin à main nue. Non, ça on s'en fiche. On ramasse plus rien là, on a vu que ça repopait. Qu'on en trouve partout des trucs. Il faut juste des cailloux. Ah, là il y a un coin à lapin. Ils auraient pu être sympas et nous mettre des cailloux près des lapins. Hein. David, c'est ce qu'on a d'ailleurs. On va aller vers la rivière voir s'il y a des cailloux. J'arrive pas à y croire. On n'a pas de cailloux. Attention. Ah, corbeau. Ok, ça a l'air bouché par là. Ah, il y avait des corbeaux là-haut. On va aller voir. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter un petit peu les endroits qu'on n'a pas visités. On va aller voir vers la carte, par là-bas. Essayer de ramasser des cailloux sur la route. On est par ici, hein. Donc là, on était en bas de la rivière, là on était bloqué, donc on remonte là. Donc c'est exactement l'endroit qu'on doit farfouiller de toute façon. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a un corps dans le coin, ou une carcasse. Voilà, ils sont là-haut. Ok. Un pauvre air en plein milieu de la nature. Fusée, barre énergétique, alors pour le voyage c'est génial. Clé du coffre bancaire 13. Ah mais oui c'est vrai qu'il nous manquait encore des coffres. Oh là là, il nous manque deux coffres, donc plus qu'un maintenant. Ah ouais mais je peux pas partir avant d'avoir fouillé le dernier coffre. Donc les clés sont sur les des cadavres comme ça un peu dans la nature. Oh,
on va grimper. Donc là, on pouvait pas rater ce corps, hein, parce que je pense que c'est par ici qu'il faut passer pour s'en aller de la map. J'arrive pas à y croire, on voit pas de cailloux, quoi. Ça m'a fait peur, ce con de serre. Ok. Bon, c'est pas grave. On va aller à la banque. On va aller fouiller cette clé. Pas ce coffre. C'est moi ou j'entends des corbeaux ailleurs que derrière nous? Je me demande où est le dernier coffre. Parce que je crois pas avoir raté énormément de choses, mais là je vois il y a des corbeaux qui tournent là-bas, on va aller voir. Un lapin qui me narpe parce que j'ai pas de cailloux. Juste là. Il y a un loup, il y a un cadavre de loup. Mais qu'est-ce qu'ils ont les loups à mourir ? Ok, si on fait un campement. L'ombre des corbeaux est là-bas alors qu'ils sont là. C'est vraiment louche. Ils se sont peut-être battus entre eux. Faire un camp. On va utiliser l'accélérant tout de suite. 90% avec l'accélérant, c'est parti. Raté, magnifique. On va mettre 3 heures de feu. Ah, elle est complètement gelée la carcasse. On va ramasser la massette. Ce loup, mais normalement le campement nous protège. Ok. Ok, chasse le lapin. On ira récupérer la peau après. Nous, ce qu'on veut, c'est de dépecer ça d'abord. Ouais, 4,1, on ramasse tout. Couteau de chasse 2 heures. Allez, c'est parti. La chaleur est bonne. Alors, c'est crevant, hein. Ouais, alors normalement ça vous draine une barre de vie, hein. Enfin une barre de fatigue. Hein. Dépecer une bête, y a rien de plus crevant que ça. Après, quand tu sais bien faire ton truc, oh là là, 10% la viande. Oh, la viande a pas l'air bonne. Too heavy. Ah, il a chopé le lapin. Ouais, la viande a pas l'air bonne. Hein. Le loup, ça fait trop longtemps qu'il est là. C'est peut-être un loup qu'on avait tué, hein, ça. Et vous voyez, si on l'a tué ici, ça doit être il y a au moins 2 semaines. Hein. Parce que 10% de... Enfin non, peut-être pas 2 semaines, mais au moins 1 semaine. Ah, c'est dommage. 4 kilos de viande, mais qui seront impropres à la consommation. Il commence à faire nuit ou c'est moi? Après, on peut jeter un morceau de viande... Non, il fait bon encore. On peut jeter un petit morceau de viande pour éviter que le loup nous attaque. Hein. Alors, regardons cette viande de loup. 59%, ok. On va manger le petit bout pour voir si on tombe malade. Ok. Des antibiotiques. On trouve ce lapin. Il l'a chopé, hein. On va ramasser les cailloux au passage. Ah, j'ai éternué, mais... Je vais essayer de vous faire une coupure. Alors, on prend les cailloux. Ah non, non, il nous faut la peau de lapin qu'il a chassé, là.
Il lui a couru après. Ah, elle est là-haut. Rien à collecter. Ah, c'est d'une tristesse. Ouais, parce qu'on l'a pas interrompu en fait. Il l'a mangé entièrement et puis il n'y a pas de peau. Enfin, la peau est déchiquetée quoi. Ou pas bonne. Ok, pas grave. On va reprendre un autre caillou. Puis on va se devoir se chasser un lapin tout seul. Ouais, donc la viande était pas très bonne, vous avez vu. Même cuite, elle était à 50% et elle nous a rendu malade à la première bouchée. En fait, je devrais jeter ce qui reste, mais vu qu'on a beaucoup d'antibiotiques et de théoraïchi, il faut avoir une priorité. Bon, on a suffisamment de viande pour pas que je m'en occupe en même temps. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. T'as soif? De toute façon, on est déjà malade. Temps de se remplir l'estomac. Non, et puis bon, 50% c'est pas si mal, hein. Alors que moi, dès qu'il y a une étrange odeur dans ma nourriture, je ne la consomme pas. Le feu, non, c'est l'hiver, il y a de la neige partout. Ok, est-ce qu'elle m'a préparé une petite soupe? Non. Je crois qu'on va se préparer à partir. Ah, il y avait la clé de la banque. Mince, j'ai oublié la banque. Ok, on peut aller faire ça vite fait. Il fait encore bon. On est fatigué. Mais on n'a ni soif ni faim. Et on n'est pas trop encombré, 31 kilos. Ouais, on va aller, à la banque vite fait. Ouais, on va faire un sprint à la banque. Histoire de pas se faire attraper par quoi que ce soit. Ok. Oh, j'ai pas vu. Septembre 2012. Chers membres, en raison d'une conjecture économique que vous n'êtes pas sans connaître, nous sommes hélas dans l'impossibilité de rester opérationnels. Tous les services en BKR sont suspendus et fait immédiat. Okay. Il faut qu'on trouve la dernière clé hein, avant de partir. Je pars pas sans la dernière clé. Hein. Donc, si l'un d'entre vous sait où c'est, qu'il n'hésite pas à me le dire. Même si c'est un peu spoil. C'est pas grave. De toute façon, la plupart du temps, on va tomber dessus par hasard. Ou alors, c'est parce que je l'ai raté dans un truc alors qu'elle était posée sur une étagère ou une connerie dans le genre. Alors, ouvrir le coffre. Ouais, c'est celle-là. Oh. Hope nobody needs this anymore. Cagoule trouvée, gants de ski. Ok, oh, c'est triste de trouver des gants par contre. Clé du coffre bancaire 20. Je regarde les autres, hein, mais je crois qu'on a tout fait. Il nous reste que le 20. I'm so tired. Ok, on a tout fait. Il nous reste que la clé de ce coffre-là. Ok. Et on va garder la cagoule. Oh, opération bas de cagoule. Ok, ça c'est bien. Alors avec ça sur la tête, normalement vous avez super chaud. Hein. Et les gants de ski, bah les gants de ski ont l'air bien. Mais est-ce que ça vaut les gants de lapin? Je pense pas. Par contre, il a pas fallu grand chose pour qu'on soit encombré là, bizarrement. Ouais. Il suffit de ramasser ça, une cagoule et des gants. Ok, on va commencer à ranger le matériel dans la maison. En gros, tout le matériel inutile, on va le stocker d'un côté, et tout ce qui est utile, on va le mettre de l'autre. Ensuite, on ramassera tout ce qui est utile, on sera immobilisé, et on triera ce qu'on porte. Bon, cela dit, tomber de la nuit... Ouais. Hop, plein de boulot.
Bon, tous ces trucs là, on sait que c'est des inutiles, mais il y a peut-être des choses en dessous. Je vais peut-être vous épargner tout le rangement. Ouais, on se retrouve dans une seconde. Ok, alors j'ai ramassé tout ce qu'on avait mis par terre, et vu que je suis encombré, je peux absolument pas bouger, hein. Ça ne bouge pas quand je me déplace. Voilà, mais j'ai tout ramassé. Alors, les bottes de montagne qu'elle nous a données, vous voyez, c'est super bien. 5 de protec, ça pèse 1 kg seulement. Alors que les bottes de combat sont un petit peu moins bien, mais 10 de protection, hein. Donc ça, contre les loups, c'est génial. Mais là, 42 contre l'humidité, là que 20, et bien sûr, 2 fois moins de poids, hein. Les bottes de ski, par contre, sont meilleures sous tout rapport. Donc avec les bottes de ski, vous avez le froid à fond, mais 4 kg à porter. Et ça, c'est ce qui est un peu dommage. Si on les recycle, on chope du cuir. Alors, en fait, je me dis que les bottes de ski, c'est pas une mauvaise idée, quand même. Cras le poids. Ouais. Si on prend ça, ça veut dire qu'on gâche de la place. Non, je pense que on va se poser aux bottes de montagne. Elles ont moins de protec, mais encombrent beaucoup moins. 7 et 20 d'encombrement. Sachant que le sprint, on en a besoin pour grimper, hein. Normalement. Donc on va commencer du recyclage. Alors, le bonnet troué, on recycle. On va regarder la cagoule. Ce qui m'embête, c'est que sur chaque animation, on le verra avec sa cagoule maintenant. Les bottes de combat neuves. On va les recycler. On va porter ça. Bonne grosse botte de montagne. Les gants. Apportez les gants de ski, hein. 0303. 105. Ça c'est mieux, mais si on répare les gants de ski. Ouais, c'est étanche, ça protège. Non, c'est trop bien ça. Moi je veux ça. Hop. De toute façon, le temps qu'on fasse les autres, hein, c'est toujours la même chose. On va recycler les chaussettes. Stop it. Oui, attention, on est malade. Hein. Viande de loup, 10 sur 10 heures, il faut qu'on dorme. Et tant qu'on s'agite, on ne peut pas vraiment se reposer. Ok, la cagoule est réparée, je voulais juste voir les stats. Ouais, les stats sont géniales. En comparaison à ça... 1-05-21. Ah, mais la cagoule, c'est un accessoire. Non, c'est quoi? 1-05-21. Je porte la cagoule avec la toque. Ah, non, mais là, on fait... Non, c'est trop, là. Non, c'est abusé. On peut pas avoir cette tête de Mackenzie à chaque fois qu'on va parler à des PNJ. Ça va pas être... Je vais pas pouvoir garder mon sérieux. Ok. Bon. Bah, je crois que ça va être parti pour ça. Par contre, là, on est vraiment trop encombré. On libère de la place. Je vais tout reposer. 79 kilos, on porte. Hein. Tous les vêtements ils ne servent à rien, ça va être du tissu tout ça. Les chaussettes aussi. Voilà. Mais on va pas avoir besoin d'autant de tissu de toute façon. Hein. Les gants, tous les cas, pareil. T-shirt. Allez, on recycle. Ce qui m'embête, c'est le temps que ça prend. Notre barre de vie, elle descend à vue d'œil. On va jeter les boots. 4 kilos de moins. Voilà, point de vue vêtements, on est bon. Point de vue nourriture, on va manger un bout. Pas tomber malade, pitié. Boire le peu d'eau qui nous reste. Ah, il faudrait qu'on se fasse de l'eau avant de se coucher. Bon, évidemment, on est toujours encombré, hein. Alors, attendez. Ça, on va le jeter. Qu'est-ce qui nous encombre? Ah, je sais ce qui nous encombre, le bois. Et toutes ces peaux et tout ce métal. Ok, le bois d'abord.
Voilà, on va jeter tout ça. Jeter tout ça. Oh, les bouquins, on en a pas besoin d'autant. Hein. 10 kilos de livres, on va jeter. Il nous reste combien? 57, 5 kilos 50 de livres. On jette 2 kilos, 3 kilos de journaux. Et alors, c'est exactement le même poids. Hein. Et on jette. Voilà, là on devrait pouvoir bouger. Au moins pour faire de l'eau. Voilà, on va faire fondre 4 litres et on va utiliser les pastilles pour faire l'eau. Pour pas perdre trop de temps près de ce feu. Voilà. Le fusil, toujours pas. Alors, tablette de purification d'eau. Hop, 4 tablettes, très bien. Utilisons-les. Alors, quand vous utilisez les tablettes en faisant le feu, je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui suivent, ça vous fait perdre du temps de feu. Alors que quand vous les utilisez dans votre inventaire, c'est quasi instantané, vous voyez. Trop purifié. On va aller se coucher. Non, on va se coucher là avec notre sac de couchage. Ah, c'est gâché. Sûrement qu'on dort mieux dans un lit. Voilà, il nous restera suffisamment de combustible pour avoir 1 demi-litre d'essence, plus remplir complètement notre lampe, je pense, au final. Hop. Ça va être dur de choisir 45 kilos de matériel. Hein. On a toujours envie de tout prendre. Hein. Voilà. Hop. On éteint. Et on dort. Alors j'espère que je vais pas en mourir là. Alors, on va boire un coup avant. Parce que là on est malade. Hein. Si je meurs bêtement comme ça, ça va m'énerver. Mais normalement quand on dort on régénère aussi donc. Ça devrait se compenser. Alors, on va dormir les 8 heures. On n'est pas mort. On n'a pas régénéré. C'est ça le catch. C'est que là, le fait qu'on soit malade, c'est qu'on ne régénère pas. I'm gonna bleed out soon. Non, tu vas pas saigner parce que tu n'es pas blessé. Tu es juste crevé. On va manger, reboire et dormir 3 heures de plus. De toute façon, on peut pas sortir dans un état pitoyable comme ça. Hein. Là, on est cloué au lit avec la fièvre. On va dormir 6 heures. Non. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir les 3 heures pour enlever l'effet. Voilà. Et ensuite, on va redormir pour simplement régénérer notre barre de vie. Ah, elle a bien monté. Ok. On va travailler, dormir, travailler. Dormir, aller à la ferme. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Ok, alors, hop, on va s'occuper de ce côté maintenant, alors la corde, on doit la récupérer, ça c'est fini, on va ramasser les trucs qui traînent, l'antiseptique et l'antiseptique, ok, je ramasse la corde, on pourra plus bouger, mais la corde on en a pas besoin. Ça, on peut le déchirer. Là, on a tout ce qu'on a déposé, donc très bien. On va se mettre entre ces deux tas-là. Faire la même, on va tout ramasser. Et on va trier. Je vais vous épargner ça de nouveau. Ok, alors on a ramassé les trucs. J'ai retrouvé mes fusées éclairantes qui étaient par terre ici. On a ramassé tous les billets de banque.
Alors on est à de nouveau 79 kilos. Par contre, point de vue nourriture, vous voyez, j'ai récupéré un peu tout ce qui traînait par terre. Comme vous pouvez le voir, on a des trucs qui sont pas en très bon état. Et qui sont très nutritifs, donc le beurre de cacahuète. Mais c'est juste la... Juste le sachet, hein, enfin la boîte qui est défoncée. À l'intérieur, c'est toujours aussi bon. Donc je m'inquiète pas trop. Un porc aux haricots, bon, la viande de loup, on va l'utiliser. 100 massettes. 5 kilos de massettes, là. Donc c'est 5 kilos. Ce qui nous fait l'équivalent de 15 000 calories, quand même. 15 000 calories, c'est 10 jours de nourriture. 1 500 calories par jour. Pour un gars assez baraque, c'est plutôt dans les 2005, hein. Mais voilà. Donc là, on a pour 10 jours de bouffe, rien qu'en petite tige. Les MRE, c'est une journée, 1 750. Ça, plus les barres énergétiques, on va dire que c'est une journée. Donc là, on en a pour 10, 13, 14, on va dire 15 jours de nourriture, si on compte pas les trucs de loup. Ouais, 15 jours avec les haricots. On n'a pas 15 jours d'eau, mais c'est pas grave. L'eau, ça se refait facilement. Quoique en tisane, on doit pas être loin, hein. Alors, on va bosser un peu. Hop, sur nos trucs. Les mèches de Jupiter sont déjà travaillées. Là, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Les vêtements. On va déchiqueter ce qu'on n'utilise pas. Et on va réparer à 100% tout le reste. Okay, on va régénérer apparemment. Naturellement, ça on va le virer aussi. Hop. Alors, 96, 89, 100. Quand c'est au-dessus de 90, on va les laisser, hein. Ça en déchiquette. Voilà, on est midi. Hop. 97, 87, 99, 83. Les gants. Voilà, c'était ça. Faut réparer ses gants à fond. 61%. J'aimerais bien voir les stats et les comparer aux gants de lapin. Zéro neuf, 33. Ça n'a rien à voir avec les gants de lapin. Hein. Par contre, c'est léger. 0,50, vous voyez. Mais c'est vraiment nul en comparaison. Non, non, il nous faut nos gants de lapin. Les gants de lapin sont probablement beaucoup plus lourds. Hein. Un demi kilo là, les gants de lapin, je suis quasiment sûr que ça doit peser plus. Un kilo. Moins 5 d'encombrement, mais 2 degrés, 2 degrés 55. Hein. Je veux dire, là, y a pas photo. Les moufles en peau de lapin, c'est la survie. Alors, on peut pas bouger, bien sûr. Hein. Donc, pour le moment, ça c'est bon. En fait, on s'embête pour les peaux de lapin, mais c'est vrai que les gants de ski avec le poids léger, j'aime beaucoup. Surtout parce que c'est pas lourd, les bottes sont pas lourdes. Tout le reste, c'est en double exemplaire, mais c'est pas trop lourd. Le pantalon cargo, ça non plus. Puis là, on est bien équipé en vêtements, hein. Mais c'est tout l'équipement léger là. On n'a pas pris tout ce qui est bottes de ski et tout ça. Donc on est vraiment pas mal. Je veux pas faire plus de tissu, par contre ce qu'on va préparer, très important et que je n'ai pas fait depuis tout à l'heure, c'est des bandages. Parce qu'on commence à être un petit peu à court, je pense. À court de bandages. Toutes nos peaux de cerf et de loup, j'ai bien peur qu'elles nous servent à rien. C'est dommage parce qu'il y a plein de crafts possibles avec normalement. Voilà, on va se faire 6 bandages. 4 bandages, c'est bon. On va regarder combien on en a en tout. On en a 4. Oh, ok, bon, on va en faire 6. Hein. Sûr et certain. Hop. Donc on n'a même pas besoin de détruire les autres vêtements. On va les laisser ici. Hein, au cas où on revienne, je sais pas. Hop. Par contre, on peut pas se trimballer autant de tissu, ni autant de peau. Ça m'embête pour les peaux, mais je crois qu'il va falloir qu'on les abandonne. Les bûches, on va les prendre, bien sûr. Ça fait 4 kilos de bois, déjà. Hein. Les tripes. Le charbon. Il va falloir faire un choix. On va jeter la ferraille.
Attendez, on va finir par réparer. On va réparer d'abord notre matériel. Alors, on va jeter ce qui est jetable. Et on va réparer le matériel qu'on peut. On ne peut pas l'aiguiser, on ne peut pas le réparer. Avant, on pouvait avec du métal. Là, la hache. Pareil, on n'a pas de matériel pour l'aiguiser. On ne peut pas changer d'action. Hein. Non, on pourrait en détruire une des deux. Bah bon, je vois pas trop l'intérêt. Non, on va juste laisser ici la hache endommagée. On va recharger la lampe. Ravitailler la lampe. Ah, il nous reste un demi comme prévu. Hein. Elle est à 100%, pas besoin de la réparer. On peut réparer ça peut-être. Réparer, voilà, on va réparer ça. Hop, 93%, ça ira très bien. Les pieds de biche, on va en recycler un. Non, on recycle pas les pieds de biche. En fait, les pieds de biche, c'est des trucs qu'on peut pas réparer. Donc quand on en a plus, c'est foutu. Mais un pied de biche, ça peut ouvrir plein de trucs. Donc je me dis qu'en avoir deux, c'est peut-être pas forcément utile. Mais bon. Allez, on garde que le plus gros. Les cailloux, on en a plus besoin. Si, on en a besoin, il nous faut des lapins. Des flèches, ben on n'a pas le truc. On va réparer notre sac de couchage. Pour qu'il soit à 100%. Ok, on est pas mal là. Hein.